Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne de magie. On se retrouve aujourd'hui pour un tour de cartes, vous allez voir, qui est vraiment exceptionnel. Donc ce qui est très intéressant dans ce tour, vous allez voir, il y a quatre effets successifs dans cette routine. Donc nous avons une prédiction, ici une carte bleue pliée en 4, on verra ça à la fin. Et nous avons un jeu de 52 cartes sans les jokers. Okay. Votre spectateur va devoir choisir maintenant un chiffre secret entre 10 et 20 dans sa tête. Vous vous tournez à ce moment-là et vous lui dites de distribuer les cartes une à une sur la table qui correspond à son chiffre. Donc imaginons il choisit le chiffre 17. Donc il va distribuer 17 cartes une à une. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 17. Vous lui demandez de cacher ces cartes-là, il les met sous le tapis, il met sa main par-dessus, peu importe. Vous retournez à ce moment-là, vous récupérez le jeu et vous dites que il vous est impossible de savoir le nombre qu'il vient de choisir, d'accord? À moins qu'on compte le nombre total de cartes ici, mais c'est pas du tout ce qu'on va faire. Vous allez couper le jeu ici, comme ceci. Vous pouvez recouper encore une autre fois si vous voulez. Et vous allez demander au spectateur de couper en deux, ou vous pouvez le faire comme vous voulez ici. Et vous allez lui demander qu'il choisisse 4 cartes au choix en prenant à partir du dessus du jeu une par une. D'accord? Donc 1, 2, 3 et 4. On va mettre ces deux paquets-là de côté. Vous lui dites que ces cartes qu'il a choisies au hasard vont nous indiquer le nombre de cartes qu'il avait choisies au départ. Il les met en ruban et vous lui demandez qu'il additionne ces 4 cartes-là. Donc le 3, le 2, le 4 et le 8. Donc nous avons 12, 14 et 3, 17. D'accord? Vous lui demandez de reposer ces 4 cartes-là sur un des deux paquets. Et on va regarder s'il y a bien 17 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. C'est super. Nous avons effectué le premier effet. Vous lui dites que ce n'est pas fini. Vous récupérez les cartes qu'il avait cachées en main. Et vous dites qu'on aurait pu très bien trouver ce chiffre 17 d'une façon bien plus rapide. Et vous prenez le jeu en main et vous le lâchez en main droite. Nous avons deux cartes en main gauche. Vous retournez. Et nous avons... C'est incroyable, un as et un 7. Nous avons bien 17, exactement le nombre que le spectateur avait choisi. Nous avons effectué le deuxième effet. Vous dites que ce n'est pas fini, que ces cartes-là ne sont pas là par hasard, que si il additionne ces deux cartes-là, le 7 et l'as, nous tombons sur le chiffre 8. Vous lui demandez de replacer ces deux cartes-là sur un des deux tas et vous donnez les cartes en main au spectateur. Son paquet qu'il avait caché, et vous lui dites qu'il compte 8 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Vous lui demandez de retourner la huitième carte, ici. Nous tombons sur un roi de cœur. Et vous demandez au spectateur d'ouvrir la carte lui-même. Il va ouvrir la carte, et on va tomber sur le roi de cœur, la carte que j'avais prédit depuis le début. Nous avons montré le troisième effet au spectateur, et c'est pas fini. Nous avons un quatrième et dernier effet, et vous dites que le roi de cœur n'aime pas être seul en général, et vous lui demandez de retourner chaque tas, d'accord? Il va retourner chaque tas, et nous tombons sur les 4-3. Donc voilà pour ce tour vraiment exceptionnel, à mon avis. Je ne sais pas ce que vous en pensez, vous me direz ça dans les commentaires. Moi perso, j'adore ce tour, vraiment, c'est incroyable. Pourquoi? Parce qu'on vient de montrer 4 effets. Successifs au spectateur, et ça, c'est assez rare dans les tours de magie. Donc, on se retrouve pour l'explication de ce tour. J'espère que vous avez aimé. Franchement, comme je vous ai dit dans la démo, pour moi, c'est vraiment une tuerie. Donc, il vous faudra une carte de prédiction. Donc, je vous préviens, vous allez avoir un gros setup à faire dans le paquet ici. Vous prenez une carte de prédiction, donc vous pouvez écrire. Moi, j'ai pris une carte bleue, je l'ai pliée en 4 pour que ça prenne moins de place dans le tour sur le tapis. Je la plie en 4 et je la mets de côté. Concernant le jeu, alors attention parce que le setup il est assez chaud, je vous préviens. Donc je vous mettrai une liste dans la description de toutes les cartes, mais je vais quand même vous les dire assez rapidement. Donc soit vous mettez pause, soit vous notez comme vous voulez, mais de toute façon vous inquiétez pas, je mettrai tout dans la description. Donc vous allez mettre à partir du dessus du jeu, l'as de pique, roi de carreau, 5 de pique, 9 de cœur, dame de trèfle, 6 de carreau, 10 de trèfle. 8 de carreau, roi de cœur, 8 de trèfle, as de trèfle, 2 de carreau, 3 de carreau, 4 de trèfle, 5 de carreau, 6 de pique, 7 de pique, 8 de pique, 9 de trèfle, 10 de cœur, dame de carreau, 6 de trèfle, valet de carreau, 5 de cœur, as de cœur, 3 de pique,
9 de pique, 5 de trèfle, dame de cœur, 10 de pique, valet de pique, 10 de carreau, valet de cœur, 3 de trèfle, 4 de carreau, 3 de trèfle, 2 de cœur, 7 de trèfle, 4 de cœur, 6 de cœur, 9 de carreau, as de carreau, 7 de cœur, valet de trèfle, 7 de carreau, 8 de cœur, 2 de pique, dame de pique, roi de pique, 2 de trèfle, 3 de cœur et le 4 de pique. Donc votre setup est terminé, vous avez votre carte de prédiction et vous allez prendre le 4 de carreau et vous allez crimper cette carte-là sur la face du jeu ou la corner comme vous voulez. Donc moi je préfère la crimper comme ceci, très important. Vous êtes prêt à commencer votre tour. Vous dites à votre spectateur que vous avez une carte de prédiction ici et qu'on verra à la fin du tour. Vous pouvez montrer les cartes vite fait en disant voilà, nous avons un jeu de 52 cartes sans les deux jokers. Et votre spectateur va devoir penser un chiffre entre 10 et 20. D'accord? Donc vous allez lui donner le paquet, vous allez vous retourner à ce moment-là et vous lui dites de déposer une à une les cartes en une pile sur la table face cachée. Donc imaginons pour l'exemple, il va choisir 18. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Il cache ces cartes-là, vous lui demandez de les cacher sous le tapis ou il met sa main dessus. Vous retournez à ce moment-là, vous prenez les cartes en main et vous allez faire le seul geste du tour qui n'est pas très dur. Vous allez devoir faire un break au-dessus des trois dernières cartes avec votre petit doigt. D'accord? Et vous allez faire une coupe, vous allez passer la première carte ici sur les trois cartes et couper, déposer ce paquet-là et ces quatre cartes-là ici. D'accord? Donc en éventaillant les cartes comme ceci et en disant au spectateur, il est impossible de savoir le nombre de cartes que vous avez choisies, il est très facile en refermant l'éventail de prendre un break sur les trois cartes. Et vous dites, à moins de compter toutes les cartes, je pourrais savoir le nombre de cartes que vous avez cachées, mais je ne vais pas du tout faire ceci. Et pendant que vous parlez, vous allez transférer la carte du dessus en l'appelant avec le pouce gauche sur les trois cartes du break, d'accord? Donc vous faites ceci. Vous déposez les cartes en main droite et la main droite va récupérer le reste des cartes et déposer par-dessus. D'accord? Vous n'êtes pas obligé de dire à votre spectateur que vous venez de couper. Rien ne vous empêche après de faire une fausse coupe encore, mais ce n'est pas nécessaire. Ensuite, vous dites à votre spectateur de couper le jeu en deux. Donc il va forcément, normalement, couper sur la carte crimp. D'accord? Ici. Hop. Donc moi, j'ai fait une sécurité supplémentaire. J'ai gratté le coin du 4 de carreau. Comme ça, au moins, je peux voir s'il a bien coupé sur le 4 de carreau. Ça me permet de visualiser ici sur le dos de la carte. D'accord? Donc s'il ne coupe pas sur le 4 de carreau, mais ce qui m'étonnerait, parce que le 4 de carreau se retrouve à peu près au milieu du jeu à ce moment-là. Donc vous voyez, on coupe vraiment bien sur le 4 de carreau. Donc n'ayez crainte. Normalement, il n'y a pas de souci. Le spectateur coupera sur le 4 de carreau. D'accord? Si vous avez peur qu'il ne coupe pas sur le 4 de carreau, bah vous coupez vous-même tout simplement. D'accord? Vous dites voilà, on va couper le jeu en deux. Vous vérifiez bien que ça soit bien le 4 de carreau ici. Il faut absolument que cette carte-là soit sur le tas de gauche. D'accord? Ici. Donc ce qui est intéressant à partir de ce moment-là, le spectateur va devoir choisir 4 cartes au choix. Vous lui dites qu'il doit prendre des cartes une à une sur les deux tas. D'accord? Le choix est libre, d'accord? Il fait ce qu'il veut. Il y a une règle à respecter, il faut absolument qu'il prenne une carte dans le paquet de droite, d'accord? Il ne peut pas prendre quatre cartes ici, d'accord? Donc il prend les cartes où il veut, une à la fois. Donc il va faire une, deux, trois et quatre par exemple. Vous mettez les deux tas de côté et vous dites au spectateur, vous n'allez pas me croire, les quatre cartes que vous avez prises au choix vont nous indiquer le nombre total de cartes que vous avez prises ici, d'accord? Vous lui demandez qu'il retourne ces cartes-là et de faire le total de ces 4 cartes-là, d'accord? Donc ça fait 9 et 2, 11, et 3, 14, et 4, 18. Vous lui demandez de reposer ces cartes-là face cachée sur un des deux tas, ok? Et on va compter ensemble avec le spectateur s'il y a bien 18 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Vous voyez, c'est magnifique. Peu importe les 4 cartes qu'il prendra, dans n'importe quel ordre, on tombera sur 18 à chaque fois. C'est vraiment génial. Donc là, on vient de présenter le premier effet. Il y en aura 4 dans ce tour. Attention, quand vous comptez les cartes, ne pas inverser l'ordre des cartes. Vous comptez comme ceci. D'accord? Vous reprenez les cartes en main.
Et vous dites à ce moment-là, moi j'adore cette partie, vous dites à votre spectateur, vous savez qu'on aurait pu trouver votre chiffre encore beaucoup plus rapidement, on aurait pu avoir l'information beaucoup plus vite que ça. Là, ce que vous faites, c'est pas trop dur. Vous allez pincer la première carte et la dernière carte entre le pouce et les autres doigts en dessous. Et vous allez jeter le reste des cartes en main droite. Ce qui fait que la carte supérieure et inférieure vont rester en main gauche. Et là, ce qui est génial, regardez la première carte, ça va être un 8. Et la dernière carte, un as, qui va donner 18 aussi, le nombre que j'ai dans les mains. C'est un truc de fou, vraiment. Donc, vous jetez votre paquet à droite. Donc, ce que je vous conseille de faire, c'est de décaler légèrement, avant de faire votre geste, la carte du dessus et la carte d'en dessous vers la gauche de quelques millimètres, comme ceci. Ok? Ça suffit, quelques millimètres. Donc, vous mettez votre main droite à 15-20 cm à peu près, et vous jetez toutes les cartes qui sont entre les deux cartes, d'accord? Comme ceci. Ok? Il vous reste deux cartes en main gauche. Et là, vous dites, regardez, on aurait pu avoir l'information beaucoup plus vite. Vous retournez les deux cartes et vous montrez effectivement qu'on a bien le chiffre 18. Ça, c'est encore dingue, vraiment, comme effet. Voilà, là, c'est le deuxième effet. Donc là, le spectateur, déjà, il va halluciner. Et vous dites, c'est pas fini. Ces deux cartes-là sont pas là par hasard. Elles nous ont indiqué le nombre de cartes que vous aviez cachées. Mais aussi, vous allez voir, elles vont nous permettre de trouver une autre carte. Vous lui demandez à ce moment-là d'additionner ces deux cartes-là. 8 et 1, 9. Il dépose ces deux cartes-là sur un des deux tas. Et vous lui demandez de compter 9 cartes. D'accord? Donc il les dépose une à une sur la table en inversant l'ordre. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Il dépose le reste à côté. Ce que vous pouvez faire, c'est égaliser les 4 tas comme ça et les mettre bien en dessous comme ça, en formant un carré. Et vous dites de retourner la carte, d'accord? Et là, automatiquement, c'est ouf, on vient de tomber sur la carte de prédiction ici. Et là, vous dites, vous avez compté 9 cartes, vous êtes tombé sur le roi de cœur, vous n'allez pas me croire, ici j'ai une prédiction depuis le début, allez-y, dépliez-la, vous lui donnez, il déplie et il voit le roi de cœur, exactement la même carte ici. Troisième effet. Et on finit en beauté avec le quatrième effet, et vous dites à ce moment-là, le roi de cœur n'aime jamais être seul, et vous demandez au spectateur de retourner chaque tas, et on va tomber automatiquement sur les trois autres rois. Voilà, vraiment magnifique routine. Donc vous avez vu, c'est un tour qui est très facile à faire. Vous avez juste le petit mouvement du break et de la carte du dessus, mais comme je vous ai dit, je vous conseille d'éventailler les cartes, d'accord? Là, il vous est très facile en refermant le jeu, de prendre le break ici et de couper comme ceci. Vous voyez, le geste est naturel. Vous éventaillez, vous refermez sur les trois cartes. Donc là, je vous montre en gros le geste ici. Vous pelez la carte en même temps, les trois cartes viennent en main gauche. Vous déposez les cartes en main droite. La main droite récupère et vient déposer. Donc en conditions réelles, ça donnerait ceci. Il me serait impossible de savoir le nombre de cartes que vous avez choisies. D'accord? Sauf si je compte le nombre total de cartes, mais c'est pas ce que je vais faire. Et vous avez vu, tout en parlant, j'ai coupé le jeu, d'accord? Et vous allez voir l'autre petit geste qui est un petit peu dur au départ à faire, c'est de lancer les cartes en main droite. Mais vous allez voir, ça va arriver plus vite que prévu. Finalement, c'est un geste très facile à réaliser. Donc ce que je vous conseille de faire, comme je vous ai dit dans la vidéo, c'est de décaler, avant de faire votre geste, la carte du dessus et la carte d'en dessous. Si vous ne décalez pas ces deux cartes, je vais essayer de le faire, mais vraiment ça va être beaucoup plus dur. Vous voyez, j'y arrive pas du tout. Voilà, là j'y suis arrivé, mais bon. Remarquez, si on y arrive aussi. Ah bah si, il suffit de s'entraîner un petit peu, vous voyez. Ça passe nickel. Mais j'ai remarqué que si vous décalez un petit peu avant de faire votre geste, ça va être beaucoup plus facile, d'accord? Là, vous y arriverez à tous les coups. Donc vous prenez les cartes en main, tout en parlant, vous décalez un petit peu et vous jetez les cartes comme ceci, d'accord? À force, vous verrez, vous n'aurez pas besoin de décaler. Donc ça, c'est un geste vraiment qui va venir très rapidement, d'accord? Donc voilà, j'ai pas besoin de vous refaire un autre exemple. Je pense avoir été assez clair. Si vous n'avez pas compris, n'hésitez pas à poser des questions. Pour ceux qui seraient intéressés par le nom du tour, c'est un tour qui s'appelle Abacus, Abacus, et il me semble que c'est un tour de Phil Goldstein. Voilà. Donc quand j'ai vu ce tour, vraiment, j'ai fait waouh. Vraiment génial quoi. J'adore l'enchaînement des quatre effets.
Donc ça, c'est vraiment génial, c'est ce qui me plaît le plus dans cette routine. Voilà, j'espère que vous avez aimé autant que moi. N'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner et à laisser vos commentaires. Et on se dit à bientôt pour de nouveaux tours. Merci à vous, à très vite.